Vous savez quoi? J'ai envie de vous lire un petit peu les tendances, commentaires qu'il y a sous mes vidéos en ce moment. C'est pas franchement pour me marrer, il y a des choses drôles et des choses un peu moins drôles, mais voilà, je voulais qu'on échange un petit peu dessus, je pense que ça peut être pas mal. Une honte pour n'importe quel fan de Star Wars, le film est un Marvel à la sauce Star Wars, je sais même pas comment on peut se déclarer fan et aimer Star Wars 8, rien que pour ce qu'ils ont fait de luxe, c'est une honte. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui se répondent en fait. Haha, <laughs> l'argument, tu n'es pas un vrai fan de Star Wars, laissez les gens qui ont aimé le film aimer le film et ceux qui n'ont pas aimé. De pas l'aimer, mais arrêtez d'être con et de croire que vous avez la bonne parole car vous êtes soi-disant fan et pas les autres. Voilà, ça c'est le gros clivage que je vois en ce moment et qu'on voit de partout sur internet. Mais le film fait vraiment parler et fait vraiment naître des, des haines entre les gens, c'est assez incroyable. Tu es dithyrambique et vous voyez, ça fait même ressortir des mots du dictionnaire qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Star Wars 8 est un art et non un anard. Ah, mon morphose il est toujours là pour faire des bons jeux de mots. Tu es trisomique. Voilà. Ça, c'est sympa. Mec, tu en fais trop, c'est insupportable, ce film est nul. Et là où je le réponds, non, c'est là où tu te trompes, j'en ai pas fait assez en fait. Bah, va te branler dessus. Purée, bonne idée. Super film, j'espère que dans le 9, on aura La Reine des Neiges et Jack Sparrow, Disney Oblige. Voilà, ça, ça fait partie des perles. Perso, je suis allé le voir déjà deux fois et c'est pas la même vision du film quand on le revoit une deuxième fois. Ouais, ça, c'est des choses que je lis régulièrement en ce moment. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément aimé la première fois, mais qui, après un second visionnage, et ben bah, ils prennent du recul et puis ils se disent. Ah mais c'était osé, c'était pas si mal au final Un bon Star Wars avec pas mal de défauts, des incohérences, certains personnages n'auront finalement servi à rien, Snoke, Phasma, je pense que pas mal de personnes seront déçues car ils ne s'attendaient pas à ça. J'attends de voir la suite pour Leia, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour l'épisode 9. Alors là, il y a beaucoup de choses qui est, qui est regroupée en, en un seul commentaire et qui revient assez régulièrement. Les incohérences, par exemple, j'avoue ne pas trop comprendre, parce que euh, comment on peut parler d'incohérence dans un univers qui n'est déjà pas cohérent, qui n'est pas lié à notre physique, à nous Bon OK, vous pouvez peut-être parler de la force qui est utilisée de manière un petit peu space, mais euh, imaginez si on n'avait jamais vu par exemple des sites faire des euh, éclairs avec leurs mains dans la trilogie originale et si ça apparaissait maintenant. Vous croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire "Mais d'où est-ce que la force peut permettre de faire des éclairs Comme toi, on dirait que tu as rencontré Dieu le Père." Mais c'est le cas, je te jure. T'es une sacrée grosse merde quand même. Je vous laisse profiter. Tu es sûr que tu n'as pas été voir Coco Merde, mais en fait c'est vrai, j'ai dû me tromper de salle. Je te surkiffe. Oh mais moi aussi Alex. On s'en tape des gens comme ça, ne les calcule pas. En plus t'as une communauté au top. Courage à toi. Ah j'ai mis ce commentaire juste pour le fait qu'il a dit que j'avais une communauté au top. Et c'est le cas. Quand même, il y a cette merveilleuse scène quand M. Spock dit à Louis de Funès « Je boirais bien un ch'ti canon, ma vieille denrée !» Ah ouais, franchement, je crois que c'était l'une des meilleures répliques de l'épisode 8. Les gens réclament du changement, et dès qu'il y en a, ils sont pas contents, c'est illogique. Ouais, c'est un petit peu la critique que je faisais, là, parce que c'est vrai que... Euh, par exemple, quand il y avait le set qui était sorti, les bah, gens disaient « Mais merde, mais c'est quoi ce Star Wars Il prend aucun risque !» Et là, en fait, j'ai l'impression que Ryan, il a pris tellement de risques que les gens ne sont pas contents quand même. « Kishni, je suis un vieux fan et j'ai adoré Star Wars. Il y a des trucs qui me font tiquer, mais globalement, ce film est énorme. » J'ai relevé ce commentaire parce que, justement, c'est la preuve que même des vieux fans de Star Wars peuvent apprécier. « La Terre n'est pas plate. » Eh non, elle n'est pas plate. Petite référence à toi, mon petit cinéaste indépendant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de toi, et du coup ça me permet de te faire un petit peu de pub, même si je ne sais pas vraiment si t'en as besoin. En tout cas, à ce qu'il paraît, j'ai pas encore vu tes vidéos, mais il fait des bonnes théories. Donc eh ben, écoutez, je vous laisse y aller. TG Voilà, super intelligent. Il enchaîne. T'as toujours rien compris, Guignol, on rage pas sur la prise de risque, on rage sur les incohérences scénaristiques. Bah ouais, mais bien souvent les personnes disent qu'il y a des incohérences justement parce qu'il y a eu trop de prises de risque. Il faudrait savoir. C'est vrai que je regarde à droite, à gauche d'autres critiques et je ne pensais pas que le film diviserait autant. Maintenant je pense que les plus tristes ce sont ceux qui sont déçus et je compatis pour eux. Ouais voilà, c'est vraiment le sentiment en fait que je voulais faire passer à travers mes vidéos, c'est que euh, alors je déteste pas les personnes qui euh, en disent du mal et même maintenant avec du recul je comprends même encore mieux les personnes qui se sentent un petit peu trahies mais voilà en fait au final je compatis. Pour ces personnes-là, parce que je me dis, si moi j'avais pas aimé, bah, j'aurais vraiment mal au cœur, quoi, parce que j'aurais été déçu d'une saga dont je suis fan. S'il te plaît, arrête pas YouTube, t'es mon YouTuber préféré. Voilà, je l'ai relevé juste pour la gentillesse. Salut Kishni, je voulais savoir si tu es d'accord sur une théorie comme quoi Kylo manipule Rey en lui faisant croire à Rey que ses parents sont personnes. Ouais, ça c'est une théorie que je vois euh, revenir très très souvent, alors qui n'est pas encore très très développée, mais je, je sens que ça va venir. Euh, personnellement, j'ai vraiment envie de croire que ce qu'il lui dit c'est vrai. Après, je me dis aussi que. Il a déjà menti à Rey au moment où il lui a parlé de ce qui s'était passé avec Luc, ou du moins il a un petit peu euh, mis la réalité à son avantage. Donc là, est-ce que ce ne serait pas le cas C'est-à-dire que est-ce que effectivement elle a vraiment des parents qui viennent un peu de nulle part et qui l'ont vendu, mais est-ce que quelque part, ça cacherait pas quelque chose À voir. Je ne dirais qu'une seule chose, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Philippe d'Estouche, cordialement. Merci The Snake. Par contre, je te signale pour insulte. Mais what Comment tu fais la victime, vas-y, rajoute du violon et va te faire enculer. C'est tellement raffiné, lol. Se rendre malade pour une saga aussi nulle, je ne vois pas l'intérêt. Mais en fait, je me rends pas malade, c'est juste que je vous transmets mes émotions. Euh, le moment où je suis revenu du cinéma et que je vous ai fait une vidéo comme ça, ma réaction à chaud, c'est vraiment comment je le ressens, comment je le pense. Alors, certes, je fais une vidéo, donc forcément, je dois jouer un petit peu et c'est normal, mais j'aimerais bien vraiment vous retranscrire mes émotions mais telles qu'elles sont et c'est assez compliqué. Mais voilà, j'essaye comme je le peux vraiment de vous montrer à quel point j'ai été touché, à quel point j'ai été bouleversé. Péter de rire, t'es vraiment un bouffon. Oh, c'est gentil. Mais c'est pas possible, tu t'es drogué avant d'y aller. Ce film est un gros bras d'honneur à Star Wars, une merde absolue. Voilà, bon, ben, bah, encore une fois, je vous laisse admirer. Ce qui m'emmerde, c'est les fans qui acceptent tout sans broncher. J'adore Star Wars plus que tout, et désolé, ce film m'a enculé. Ouais, mais en fait, moi, j'ai vraiment pas l'impression euh, de tout accepter sans broncher. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions la première fois que je l'ai vu, et sauf que après, même en y réfléchissant, même aujourd'hui, je trouve tellement de choses géniales. Et à force de dialoguer, d'argumenter avec des personnes, en fait, ce que je remarque surtout, c'est des personnes soit qui sont très fermées, soit qui ont une vision euh, des choses. Alors leur propre vision, je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais c'est juste que j'ai vraiment l'impression d'être très ouvert sur des choses et de me dire bah ouais, mais s'ils ont fait ça, au final c'est pour ça, c'est logique, c'est en bien, c'est pour c'est pour même faire honneur là où d'autres personnes vont dire ah bah ben non c'est pour cracher sur la série. Donc ok en fait au final euh, j'ai pas d'argumentation et je suis simplement en train de dire là et eh ben que c'est subjectif quoi. Mais Juste que c'est dommage parce que je pense que certaines personnes, si elles essayaient d'être même un tout petit peu plus sympas avec le film, mais en essayant de pas, pas prendre du recul, mais d'essayer d'avoir de, une bonne vision des choses, vous voyez, pas comme Ryan qui veut absolument casser JJ Abrams et lui mettre des bâtons dans les roues, ou alors Ryan qui veut faire un gros fuck à la trilogie originale, si on essayait de voir justement tous les bons aspects, toutes les choses bien qu'il fait pour la trilogie et pour Star Wars de manière générale, et bien vous allez voir, vous allez avoir un, un œil totalement différent sur euh, le film, et en fait, et bien vous allez voir que c'est pas si mauvais. Mais effectivement, dans tout, on peut voir que de la merde, et on peut voir euh, que des choses qui sont mauvaises. Tout, tout dépend de l'œil avec lequel on regarde le film. « Kishnifu, sincèrement, je trouve que tu es trop ouvert d'esprit, c'est dommage, ça en devient mécanique. » Alors ça, on en a parlé, JB Dumont, ensemble, et je comprends totalement ta critique, mais tu vois, moi, à mon échelle, si je devais vraiment te répondre comme ça, je te dirais que je trouve que les gens sont beaucoup trop fermés d'esprit. Alors, peut-être que nous, ceux qui sommes trop ouverts d'esprit, comme on est une minorité, ben, on a tort, ou alors on pourrait passer pour des gens qui n'analysent pas assez et pourtant, euh, je vais dire, avec la dernière vidéo que j'ai faite, euh, en analysant un peu plus, bah, même comme ça, je me sens ouvert d'esprit et c'est pas pour autant que je me sens mauvais. Tu vois ce que je veux dire Comment faire une vidéo pour t'attirer des vues et des abonnés Alors, j'ai relevé ce commentaire justement pour clamer haut et fort que bah, si vous dites ça, c'est que vous ne me connaissez pas. Hein, je vous renvoie à la vidéo par exemple, merci, euh, hommage à mes abonnés, et puis vous comprendrez tout de suite. Disney te remercie, surtout n'oublie pas d'acheter un 2, 10 peluches porg. Eh mais tu sais que tu fais bien de me le dire, parce que moi j'aimerais vraiment trouver une peluche porg qui soit jolie, et ceux qui savent où est-ce que je pourrais en trouver, Et bien bah, euh, je suis preneur. Non sérieusement, même si oui, effectivement, je pourrais en acheter, je me sens pas euh, si victime de ça euh, de Disney. Moi je me rappelle quand, euh, même avant que j'aille voir Rogue One, on avait beaucoup euh, vu euh, K2SO, et c'est un personnage... Un droïde qui m'avait vraiment plu visuellement, et je me suis dit, quand j'ai vu la figurine, ah, elle est vraiment sympa, faut que je me la prenne. Et là, les porgs, ben, je suis désolé, même si là je vais paraître euh, comme une, une victime. Euh, moi j'ai beaucoup apprécié leur apparition dans le film et je les ai même trouvés très mignons, très marrants. Et si euh, un jour je vois une bonne figurine ou une bonne peluche qui est vraiment jolie, parce que des fois ils font des trucs super moches, mais moi je la prends en direct sans hésiter. Voilà, allez, on en a fini avec la plupart des commentaires que j'avais sous mes vidéos. J'aime bien vous les lire comme ça, ça, ça me fait rire, ça me permet d'y réagir parce que bon, je réponds à tous. Mais c'est vrai que vous ne voyez pas forcément mes réponses et là je trouvais ça pas mal de vous les dire un petit peu en vidéo. Voilà, il n'y a vraiment aucune animosité, aucune virulence, euh, c'était pas fait pour argumenter non plus cette vidéo. Voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi voilà, c'est juste pour vous le partager, pour vous partager un petit peu les réactions. Je sais, j'ai eu beaucoup d'autres réactions qui étaient bien plus argumentées, c'était pas le but de cette vidéo. Je pourrais peut-être en faire une autre avec des commentaires qui étaient bien plus argumentés. D'ailleurs, je vous demande votre avis si ça vous intéresse. Peut-être que je le ferai voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous